matin tout le monde. Est-ce que vous êtes encouragés par les promesses de Dieu pour vos vies? Qu'ont en commun toutes ces promesses? Elles se retrouvent dans une grande section qui se retrouve dans le livre du prophète isaïe chapitre 40 à 55. Et on commence ce matin une nouvelle série qui se nomme simplement « Les prophéties d'Ésaïe pour ta vie ». Est-ce que tu crois que Dieu est fidèle? Est-ce que tu crois que Dieu a terminé avec toi? Non! Dis à quelqu'un à côté de toi « Dieu n'a pas fini avec toi ». Dis à l'autre personne, pour toi, c'est peut-être plus de travail, mais Dieu n'a pas fini encore. Une nouvelle série de sept messages qui va nous amener au vendredi saint. On a encore notre aliment du vendredi saint cette année jusqu'à Pâques. Et euh, je sais, plusieurs personnes, on rend grâce, plusieurs personnes se sont joints à l'Église dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Et euh, c'est peut-être l'occasion de vous expliquer un peu les particularités du message, des messages du portail, non seulement le dimanche matin, mais dans tout ce qu'on fait. Le ministère des enfants, clique, accès. On a une volonté de faire deux choses. Premièrement, on enseigne surtout, on prêche textuellement. Vous savez, dans la majorité des églises, on a des thèmes et on essaie de trouver un texte biblique qui fit avec le thème. Au portail, on croit que c'est plus intéressant, c'est plus inspirant de regarder au texte la parole de Dieu et laisser Dieu faire sortir les thèmes. Donc, on fait aussi, on fait du thématique, mais on aime vraiment prendre un passage et, et l'étudier systématiquement. Donc, c'est pourquoi on va voir Isaïe de 40 à 55. Deuxième chose, pour nous, on interprète la Bible, on a la prétention de croire qu'on l'interprète comme les apôtres et comme Jésus. C'est-à-dire, on sente les prophéties dans cet testament sur la personne de Jésus. L'apôtre Pierre va dire que les prophètes ont prophétisé sur la grâce à venir et sur le salut en Jésus. Et la Bible nous dit que toutes les prophéties s'accomplissent en Jésus. Est-ce que je peux entendre même à ça? La Bible dit que toutes les promesses, toutes, ça veut dire toutes, toutes. Toutes les promesses sont accomplies en Jésus. Quel grand sauveur nous avons. Je pense que ça mérite une main d'acclamation. On a un Dieu grand, fidèle et bon. Donc, on se pose la question, est-ce que Dieu va être fidèle à sa promesse? Dieu demeure fidèle à ses promesses. Et on est dans le livre du prophète Isaïe. Isaïe a vécu environ 700 ans avant Jésus-Christ. C'est un prophète. C'est quoi un prophète? Un prophète, c'est 95% de son ministère, c'est une prédication, c'est le prédicateur de l'ancienne alliance. Et quelquefois, il y a un 5% de prédiction. Donc, non seulement il prêche aux croyants de son époque, mais inspiré par le Saint-Esprit, il voit l'œuvre que Jésus va accomplir pour toutes les nations dont ils anticipent le salut. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, le livre d'Ésaïe se sépare, se divise en trois grandes sections. Juste pour se mettre en contexte, chapitre 1 à 39, on nous parle, c'est Dieu et le Roi. 40 à 55 c'est que Dieu est le roi souffrant et par la suite 56 à 65 c'est que Dieu est le roi conquérant. Donc on va se concentrer sur la deuxième section et cette deuxième section parle vraiment de l'œuvre de Jésus. Donc sans plus tarder, si tu as une Bible, ouvre avec moi livre du prophète Isaïe dans l'Ancien Testament le chapitre 40. Et pendant que tu tournes, plusieurs personnes vont voir cette section, souvent on va, on va le voir comme un accomplissement passé, on va dire bon mais ben, Jésus tu accompli, puis c'est fini d'autres vont voir cette section comme une prophétie future à venir mais je pense que c'est un piège de voir ce texte là comme un texte passé ou futur je pense qu'Ésaïe 40 55 contient des promesses pour aujourd'hui donc Isaïe 40 à 41 10 consolations que Jésus offre pour ta vie aujourd'hui donc sans plus tarder versets 1 à 2 c'est parti consolez consolez mon peuple dit votre Dieu pour se mettre en contexte, au chapitre 39, c'est l'histoire du roi Ézéchias, qui est un bon roi, mais qui a mal terminé, qui a terminé dans l'orgueil. Et Dieu annonce, à cause du péché de son peuple, que Dieu va le châtier. Dieu va emmener un autre peuple, les Babyloniens, et va emmener Israël en exil, en captivité. Donc, pendant 70 ans, ils vont être emmenés dans une terre étrangère. Pendant 70 ans, ils vont être en exil. Ils vont être captifs. Et l'image de cet exil, c'est de démontrer que chaque personne sur cette terre on vit un exil spirituel. On est captif du péché et l'ultime délivrance se trouve en Jésus. Est-ce que je peux entendre un autre Amen? Et la section commence en disant, Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au Cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. La première chose, et je commence très tranquillement, ça va vous jeter à terre. Isaïe parle que nous allons être consolés par Jésus. Une des choses que j'ai compris en étudiant, c'est que, en fait, je n'avais jamais compris pourquoi Siméon, on nous dit de Siméon dans Luc 2, qu'il attendait le Messie, qu'il attendait la consolation d'Israël. Jésus établit la consolation d'Israël, il est le consolateur. Il a dit Je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui est un autre consolateur, mais lui-même, il est un consolateur. Et la première chose que tu dois comprendre, Jésus est venu pour pardonner, libérer, sauver, mais il est venu pour te consoler. Il est venu pour te consoler. De ton passé, pour te consoler de ton épreuve présente, de ton de te consoler de tout ce qui est à venir, la consolation se trouve en Jésus. Est-ce que je peux entendre un autre amène à ça? Et c'est pourquoi Ésaïe va dire le Messie qui va venir, on va l'appeler Emmanuel, qui veut dire Dieu avec vous. Pourquoi Jésus est une consolation? Parce que quand tu mets ta foi en Jésus, Dieu devient avec toi. Tu vas dire oui, mais ça change quoi ma vie? Ça ne changera peut-être pas ta circonstance. Mais ça va te donner le courage de passer au travers de ton épreuve parce que tu vas savoir que tu n'es pas seul, que Dieu est avec toi. Un jour, ma petite, lorsqu'on a eu notre premier enfant, elle avait à peu près, même pas, quelques mois, et j'ai décidé de raser ma barbe. Et là, je sors de la, de la salle de bain, puis elle est dans sa train de joie à terre, et là, j'arrive, puis moi, c'est banal. Elle lève les yeux vers moi, et elle ne me reconnaît pas. Et là, elle commence à pleurer. Ah! Et là, moi, je veux la prendre pour la consoler, mais là, elle se pousse parce qu'elle a peur. Elle me rec... Et là, je la prends. Mais... Et là, je la colle. Je... Et là, elle se calme. Pourquoi? Parce que là, tout à coup, la présence de papa est devenue manifeste pour elle. Et là, c'est drôle parce qu'elle tentait de se tasser pour me voir. Et lorsqu'elle voyait mon visage, elle voyait que je n'avais pas la barbe. Et là... Peut-être que tu ne vois pas Dieu dans tes circonstances présentes, mais ta consolation est dans le fait que Dieu est présent. Amen. Dieu est présent. Et c'est pourquoi Jésus est notre consolation. Dieu est avec nous. Et regardez, Isaïe continue en disant Quelqu'un crie dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les reliefs se changent en terrain plat, les escarpements en vallons, alors la gloire du Seigneur se dévoilera et tous la verront ensemble, c'est la bouche du Seigneur qui parle. Ce n'est pas la bouche de Brassard qui parle, c'est la bouche du Seigneur qui parle. Dieu dit, je manifesterai ma gloire dans ta vie. Et la deuxième chose, Isaïe nous enseigne à être consolés par la gloire de Dieu. Ce texte-là, on le connaît bien parce que Jean-Baptiste l'a Ce que ce texte dit, c'est que le roi des rois vient. Et que lorsque le roi des rois vient, tu dois préparer la route, tu dois préparer ton cœur, tu dois te préparer à le recevoir. Le roi des rois ne vient pas dans un cœur avec plein de nids de poules besoin de te disposer. Et la Bible appelle ce processus la repentance. La repentance, c'est reconnaître ton état, reconnaître ton besoin de Dieu, reconnaître que tu n'es pas apte à le recevoir. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste a pris ce texte-là. Et la Bible nous dit le roi vient préparer la route. Pourquoi Parce qu'il va manifester sa gloire. J'ai déjà prêché sur la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire Vous savez, des chrétiens, quelquefois, il y a des concepts, puis ça devient un terme. La gloire, c'est un peu n'importe quoi. La gloire c'est quelque chose de très précis, et de très 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 puissant. La gloire, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Non seulement Dieu va être présent dans ta vie, mais il veut se manifester, il veut que ça apparaisse. La présence de Dieu n'est pas quelque chose de mystique qu'on expérimente dans un moment de louange. La présence de Dieu, c'est plus que ça. C'est Dieu qui est avec toi, mais Dieu qui se manifeste dans ta vie, au travail, dans ta maison, dans ton couple, dans tout ce que tu fais. Les gens regardent et se disent Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Et ça me fait penser, plusieurs d'entre vous, c'est la vidéo de la semaine. Et j'ai décidé de vous le présenter. Et c'est très drôle c'est BBC, Radio-Canada, en en Angleterre. Et il y a un homme qui, vous savez, il y a une entrevue, il est dans son bureau, et il y a quelqu'un qui s'occupe de ses enfants, mais euh, la gardienne perd le contrôle. Voici ce que ça donne. Et qu'est-ce que ça va signifier pour la région plus large? Je pense que l'un de vos enfants vient juste rentrer. Je veux dire, shifting les sentiments dans la région, pensez-vous que les relations avec le Nord pourraient changer? Um, I would be surprised if they do the, um, pardon me, pardon me. my apologies. <laughs> what news is this going to be for the region? My apologies. North, uh, sorry, um, <laughs> North Korea, North and uh, South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited okay. in the last six months. Ce vidéo-là m'a vraiment fait rire et je me dis, ça, c'est vraiment ce qui arrive quand Dieu se manifeste dans ta vie. Je veux juste te dire que si tu penses que Dieu est venu juste pour améliorer ta vie, Dieu veut te déranger. Mais lorsque Dieu fait éruption dans ta vie, Lorsqu'il manifeste sa gloire, oui, c'est dérangeant, mais c'est la vie, c'est une aventure, c'est réel, c'est authentique et tu as besoin. Et je, Dieu te fait la promesse qu'il veut non seulement être avec toi, il veut manifester sa gloire dans ta vie. Est-ce que je peux entendre un amène à ça? Et regardez, quelqu'un crie. On répond Que crierai-je? Toute chair est de l'herbe, tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fanne quand le souffle du Seigneur passe dessus. Vraiment, le peuple est de l'herbe, l'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Isaïe nous donne dix choses par lesquelles on peut être consolé. Donc, on est consolé par Jésus, c'est notre ultime espérance, on est consolé par la gloire de Dieu et soit consolé par la parole de Dieu. Vous savez, on a, un jour, on a rassemblé des spécialistes de la Bible à travers le monde. On les a mis à un endroit pour évaluer le pourcentage de promesses de la parole de Dieu que Dieu a respecté Et aux dernières nouvelles, Dieu est fidèle à 100%. Dieu est fidèle à 100%. Dieu est fidèle. Ce qu'il promet, il va l'accomplir. Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Souvent, les gens disent, Seigneur, accomplis ta promesse. Sois fidèle. Tu n'as pas besoin de prier Dieu d'être fidèle. Il est fidèle. Il ne ment pas, il ne change pas, il est grand, il t'aime, il prend soin de toi. Et ton défi, ce n'est pas Seigneur, ta prière, ce pas Seigneur, sois fidèle, c'est Seigneur, apprends-moi à me reposer dans ta fidélité. 9 à 11. Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle. Voyez-vous, on annonce d'avance. Ésaïe prophétise sur cette bonne nouvelle qui est en Jésus. Élève ta voix avec force, Jérusalem. Donc, lorsqu'on parle de la ville, c'est le symbole du peuple de Dieu. On pourrait dire, élève ta voix avec force, Portail. Toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Dis à quelqu'un à côté de toi, ton Dieu est là. Le Seigneur Dieu vient avec force. Il vient avec plus de force que dans le ton de ta voix lorsqu'il vient dire à quelqu'un, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il vient avec force. Son bras lui assure la domination. Il a avec lui son salaire, sa rétribution le précède. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera sur son sein. Il conduira les brebis qui allaient. Isaïe nous dit, Sois consolé par le bras de Dieu. Dans Isaïe, le bras de Dieu, c'est une expression qui revient à peu près une quinzaine de fois, presque même une vingtaine de fois. Et le bras de Dieu, c'est le symbole de la force personnelle de Dieu. Maintenant, qui est le bras de Dieu? Comment Dieu manifeste sa puissance dans ta vie? Comment Dieu agit avec force dans ta vie? Isaïe 53.1 nous dit que Jésus est le bras de l'éternel. Lorsque tu mets ta foi en Jésus, Dieu commence à agir dans ta vie. Non seulement il te sauve, il est en action. Dieu se met en marche au nom de Jésus. Je vais entendre un autre amène à ça. Et regardez le bras de l'Éternel, ça sert à quoi un bras? À prendre. Lorsque tu mets ta foi en Jésus, et ça, c'est bon pour des gens qui suivent le Seigneur également depuis un bon bout de temps, parce qu'il faut revenir quelquefois à la base. Jésus va prendre deux choses dans ta vie. Puis il y a des gens qui ont besoin de comprendre ces deux choses que Jésus veut prendre. Quand on regarde dans le texte, on dit que son bras lui assure la domination. Premièrement, quand tu mets ta foi en Jésus, c'est que tu permets à Jésus de prendre le contrôle de ta vie. Et deuxièmement, son bras rassemblera les agneaux, les brebis. Deuxième chose, le bras de l'Éternel dans ta vie, lorsque tu mets ta foi en Jésus, il prend le contrôle et il prend soin de toi. Peut-être que les gens ont besoin de comprendre que Jésus a besoin de faire les deux choses dans ta vie. Il y a des gens qui disent, Jésus prend soin de moi, mais je garde le contrôle. Et il y a des gens, tu crois que Jésus est capable de prendre le contrôle de ta vie, mais ton problème, tu ne crois pas qu'il va prendre soin de toi. La parole de Dieu dit que Jésus prend le contrôle et prend soin de celui qui met sa foi en lui. Donc, peu importe ce qui se passe dans ta vie, sois rassuré que Jésus est en contrôle et que Jésus va prendre soin de toi. Peut-être que tu vas être attaqué. Peut-être que tu vas être éprouvé, peut-être que tu vas être malade, tu vas être tenté, tu vas vivre toutes sortes de choses, mais fais confiance à Jésus, il va prendre soin de toi. Et pourquoi il va prendre soin de toi? Verset 12 à 26, regardez. « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? » Et là, on parle de Dieu. « Fixer les dimensions du ciel avec la pompe, juger dans une mesure toute la poussière de la terre. Qui a pesé les montagnes au crochet, les collines de la balance? » En fait, l'Ésaïe est en train de dire, réalise quel Dieu tu as. Écoute bien. Les nations sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Elles comptent comme de la poussière sur une balance. Les îles sont comme une, foule, une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas au bûcher. Ses animaux ne suffisent pas à l'Holocauste. Je vais expliquer ça dans quelques instants. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir, par sa force puissante. Il n'y en a pas une qui fasse défaut. Une des choses que tu as besoin de comprendre, et ça c'est une grande consolation, c'est que ton Dieu n'est pas petit. Un des problèmes des chrétiens, c'est qu'on s'est fait un petit Dieu. Et isaïe rappelle au peuple de Dieu qui est en exil, rappelle au peuple de Dieu qui se dit Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Si les Babyloniens dominent sur nos vies, si ça nous est arrivé, est-ce que ça veut dire que Dieu ne se préoccupe pas de nous? Est-ce que Dieu a perdu est-ce que quelque chose de plus fort que Dieu Et dans ta vie il y a des gens quelquefois de ce petit doute est-ce que ça se pourrait que quelque chose détermine ma vie plus que Dieu Et Isaïe dit sois consolé par l'immensité de Dieu parce que ton Dieu est immense. On chante combien Dieu est grand, mais Dieu est plus que grand, Dieu est immense. Ça veut dire quoi OK. Si je me rappelle mes cours de sciences à l'école. Okay. au secondaire les cours de sciences, voici toi, tu regardes, mais moi, là, je vis une épreuve. Okay, moi, là, est-ce que, est que vraiment Dieu entend ma prière? OK. Toi, tu es une personne sur une planète de 7 milliards de personnes. La science nous dit que la Terre fait partie du système solaire. Le Soleil, qui est la plus grande étoile de notre système, est 100 fois. Le Soleil est 100 fois plus grand que la Terre. Okay? Puis nous, on est une petite poussière. Parmi 7 milliards de poussières sur une petite Terre, et cette Terre-là, 100 fois, c'est le système solaire. Et le système solaire fait partie de ce qu'on appelle la Voie lactée. Et dans cette Voie lactée, okay, il y a des systèmes, il y a des étoiles, il y a des milliards d'étoiles. Et le système solaire, c'est une petite portion de la Voie lactée qui est une galaxie. Et la science nous dit que de cette galaxie, dont le soleil n'est qu'une poussière, puis la terre, une poussière, une poussière, puis tout est une poussière, d'une poussière, de la poussière, de la poussière, de la poussière, nous dit que ça, là, il y en a 200 milliards. OK? Et la Bible dit que l'univers ne peut contenir l'immensité de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit également que ce Dieu immense connaît le nombre de cheveux que sur ta tête. Ce Dieu immense qui contrôle tout connaît le nombre de cheveux que sur ta tête. Donc, est-ce que Dieu va prendre soin de toi? Le Dieu qui tient l'univers dans sa main est capable de tenir ta petite vie dans sa main. Il est fidèle. Et Isaïe dit, réalise la grandeur de ton Dieu, réalise combien il est grand. Et ce Dieu-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour satisfaire ce Dieu immense? Et regardez. C'est intéressant parce qu'à un moment donné, puis vous l'avez probablement manqué, verset 16, ça dit, Le Liban ne suffit pas au bûcher et ses animaux ne suffisent pas à l'Holocauste. Voici le point. À l'époque, le Liban était reconnu pour ses arbres, il y avait des forêts. C'est l'endroit où tu vas lorsque tu veux du bois. Et Esaïe dit, inspiré par le Saint-Esprit, même si on prenait tout le bois du Liban et si on prenait tous les animaux, du Liban et qu'on les sacrifiait en holocauste à Dieu, ça ne suffirait pas pour rencontrer l'immensité de sa grandeur. Et ça te fait réaliser le sacrifice, la grandeur, l'immensité du sacrifice de Jésus, parce que la Bible nous dit que Jésus, par un seul sacrifice, a pardonné tous les péchés de tous les hommes de toute l'histoire de l'humanité. Non seulement réalise l'immensité de Dieu, mais réalise l'immensité du soin de Dieu. Sur ta vie, mais l'immensité du sacrifice en Jésus. Et moi, c'est pourquoi je suis émerveillé par Jésus. Parce que même si on prenait tous les sacrifices de la terre, ça ne suffirait pas, et Jésus, pleinement homme, qui a marché sur cette terre avec une obéissance parfaite, qui est mort pour nous, par son seul sacrifice, une seule offrande, boum, tout a changé. Donc, est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que Dieu prend soin de toi? Donc, soit réconforté, soit consolé. Oui, il est fidèle. Et non seulement réalise, mais regardez, verset 27 à 31. « Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël? » Et là, c'est des noms poétiques, c'est les ancêtres du peuple de Dieu. Donc, lorsqu'on parle, c'est une manière de dire, « Voici pourquoi toi, chrétien, pourquoi peuple de Dieu? Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi répètes-tu, Israël, ma destinée est cachée au Seigneur, mon droit passe inaperçu de mon Dieu? » Dieu là, il se préoccupe pas vraiment de ma vie. Dans tout cet univers, est-ce que Dieu sait vraiment ce que moi je vis Vous savez une des choses que j'aime quand je commande avec Amazon, je commande mes livres avec Amazon. Une des choses que j'aime, c'est le tracking. Vous savez c'est quoi C'est que tu vas sur ton ordinateur et tu sais exactement où ton colis se trouve à travers le monde. Et j'aime ça de savoir exactement, non seulement que le colis est parti, il va arriver, j'aime savoir exactement où est mon colis. Je dors bien la nuit. Dieu a un tracking. Dieu sait exactement ce que tu vis. C'est exactement où tu es. Et Isaïe est en train de le dire et il dit Ne le sais-tu pas N'as-tu pas entendu C'est le Seigneur, le Dieu d'éternité, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne s'épuise ni se fatigue. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est épuisé. Il augmente la vigueur de celui qui était à bout de ressources. Les adolescents s'épuisent, ils se fatiguent, les jeunes gens finissent par trébucher, mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne s'épuisent pas. Dis pas, dis pas, dis pas, Amen, dis pas, a dit, waouh. Ce texte-là nous enseigne quatre vérités vraiment importantes. Premièrement, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une pièce, il n'y a pas une grotte, il n'y a pas un trou, il n'y a pas une chambre d'hôpital sur cette terre où la présence de Dieu ne peut pas aller. Première chose. Deuxièmement, ce texte nous dit que là où, la, là où il y a la présence de Dieu, il y a également la puissance de Dieu. Non seulement de dire Dieu est avec toi, mais ce Dieu-là est un Dieu qui renouvelle tes forces es épuisé par ton épreuve, fatigué par ta situation, es à bout de ressources. Tu te qualifies pour la promesse de Dieu. Il veut renouveler tes forces. Vous savez, parce que le défi, souvent, pas souvent, je dirais en fait, quand tu as une force spirituelle, même si tes forces physiques déclinent, tu peux passer au travers. Mais si ton corps est en pleine santé, mais que ton âme est fatiguée, ça va être, comme on dit en hébreu, ça va être tough de passer au travers. Et la Bible dit que Dieu ne se fatigue pas, Dieu ne se lasse pas, Dieu ne s'épuise pas. Même les jeunes qui ont plein d'énergie finissent à un moment donné par ralentir. Dieu ne ralentit jamais. Dieu ne ralentit jamais dans l'histoire parce qu'il est éternel. Il ne ralentit pas dans ta vie. Dieu ne dit pas, on va donner une go pendant les cinq prochaines années, puis après ça, on va aller mollo. Non, non. Dieu ne ralentit jamais dans ta vie. Toi, tu fatigues, toi, tu tombes, tu trébuches, mais Dieu ne cesse d'agir dans ta vie. Il continue, donc sa force, elle se renouvelle. Et je dis quelque chose souvent, les gens disent :« Mon épreuve va muser. Je passerai pas. Mon épreuve va, va muser, elle va venir à bout de moi. » Ceux qui espèrent en l'Éternel ont une force inépuisable, et c'est ton épreuve qui va finir par s'user, parce que la force qui est en toi est plus forte que l'épreuve à l'extérieur de toi. C'est quoi la clé parce que quand on est fatigué, on ne veut pas se faire dire ce qu'il faut faire. En fait, tu n'as rien à faire. Espère. Confie-toi. Quand on était à Paris, on se promenait en métro. Je ne connais pas le métro. Je ne sais pas comment ça marche, la bosse. Et ce que je faisais, j'arrivais dans le métro, je m'assoyais sur le petit banc, puis j'espérais que le train était pour passer. C'est tout. Donc, je suis là. J'espère, j'attends. Mais j'avais des garanties. Pourquoi? Parce que c'est écrit que le train va passer. Je vois des gens autour de moi qui croient que le train va passer. Le train est déjà passé. Je me dis, s'il est passé déjà 100 fois, il va finir par repasser. Pourquoi est-ce qu'on espère en l'éternel? Parce que c'est écrit que le train va passer. Il y a plein de gens qui attendent, qui espèrent, qui savent que Dieu va passer. Puis Dieu a passé des milliards de fois avant toi, puis il va continuer de passer parce qu'il est fidèle. Chapitre 41. Il faites silence pour m'écouter, que le Seigneur, que les peuples renouvellent leurs forces, qu'ils s'avancent et qu'ils parlent, comparaisons ensemble au jugement. Qui a suscité de l'Orient celui que la justice appelle sur ses pas? Qui lui a livré des nations et abaissé des rois? Qui a agi? Qui a fait? C'est celui qui convoque les générations dès le commencement. Moi, le Seigneur, je suis le premier, et avec les derniers, c'est encore moi. Moi, j'aime Dieu, Dieu qui dit « C'est encore moi. » Qui a fait ça? C'est moi. C'est encore moi. On va arriver au ciel, là, on va poser plein de questions, puis Dieu va dire « C'est moi. »« C'est encore, encore, oui, 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 encore moi. »« C'est encore moi. »« Oui, oui, c'est encore moi. » Avant même qu'on pose la question, parce que Dieu est omniscient, va dire « oui, oui, pose-la pas, c'est encore moi. » <laughs> Dieu est souverain. Et voyez-vous, il, il y a différents éléments là-dedans. C'est intéressant parce que le peuple, Isaïe prophétise que le peuple va aller en exil. Et non seulement il prophétise, parce que le peuple sait, ça a déjà été annoncé, mais il annonce la délivrance de l'épreuve qui va venir. En passant, il y a des gens, je fais une parenthèse, pas dans mes notes, il y a des gens. Nous savons, c'est la vie, on va vivre des épreuves. Il y a des épreuves qui vont venir. On ne connaît pas ces épreuves. Mais aujourd'hui, Dieu te promet qu'il te supportera. Il y a une promesse pour ton épreuve. Il y a une délivrance pour ton épreuve. Avant même que toi, tu ne connais pas l'épreuve. Mais tu as déjà, avant même le problème, Dieu te dit qu'il y a toujours une solution en lui. Ici, Esaïe prophétise que Dieu va susciter, okay, pour la petite histoire, en 587 avant Jésus-Christ, les Babyloniens vont venir, vont détruire Jérusalem, vont détruire le Temple, vont prendre le peuple, vont l'amener à Babylone comme des prisonniers. C'est la catastrophe, c'est un traumatisme incroyable. Et des années plus tard... 539, Dieu va susciter Cyrus, le roi des Perses, qui va vaincre les Babyloniens, qui va permettre, donc qui vient de l'Orient, qui va permettre au peuple de retourner, de rebâtir Jérusalem, la muraille, on voit ça qu'est-ce drasse Némi, rebâtir le temple, le temple qui est l'endroit où Dieu manifeste sa gloire, c'est la restauration, ça prépare en même temps la restauration qui met le fondement pour la venue de Jésus. Donc, Dieu dit Voyez-vous, dans toutes ces épreuves, je demeure le maître de l'histoire. On peut se dire, où est Dieu? Hein, le peuple veut dire, où est Dieu dans notre exil? Où est Dieu dans les guerres? Où est Dieu dans les tremblements de terre? Où est Dieu dans les horreurs qu'on lit dans les journaux? Où est Dieu dans les élections? Où est Dieu dans les coups d'éclat? Où, où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Dieu est là. Dieu demeure le Seigneur de l'histoire. On ne le voit pas, mais Dieu, je sais que je suis fatiguant avec ça, mais Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Sois consolé. Et regardez, j'aime vraiment ce, ce texte, versets 8 à 13. Mais toi, Israël, donc on parle des nations, mais toi, ok, c'est bien de savoir que Dieu contrôle notre monde, mais Dieu, une parole pour toi ce matin, mais toi, toi là, tu m'entends. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami, wow, Dieu t'appelle mon ami. Toi que j'ai saisi des extrémités de la terre, que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette pas. Les gens, tu as besoin d'entendre ce matin. Dieu te dit Tu es mon serviteur, tu es ma servante, je t'ai choisi, je ne te rejette pas. Des gens autour de toi qui t'ont rejeté, Dieu ne te rejette pas. N'aie pas peur. Peu importe ce que tu vis, n'aie pas peur. Pourquoi? Car je suis avec toi. Applique-le par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut l'appliquer à ton cœur. Des gens, tu vis une épreuve, tu as peur et Dieu te dit n'aie pas peur. Pourquoi est-ce que ça va changer Dieu dit Je suis avec toi. N'aie pas peur car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te rends fort. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse, triomphante. Amen. Ils seront, oui. Vous savez, on n'a même pas besoin de commenter la parole de Dieu. Laissons la parole de Dieu parler. C'est pour nos vies. Ils seront honteux et confus, que tous ceux qui sont fâchés contre toi ils seront réduits à rien. Ils disparaîtront, ceux qui te cherchent querelle. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Les adversaires seront réduits à rien au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis le Seigneur ton Dieu qui te saisit par la main droite, qui te dit. N'aie pas peur, je viens à ton secours. Ce n'est pas tout de dire sois consolé par la souveraineté de Dieu, sois consolé par la fidélité de Dieu. Et, et j'en ai déjà parlé, puis il y a du monde qui dit Pasteur, tu as déjà brûlé ton punch, mais c'est difficile de contenir la fidélité de Dieu à un point. La fidélité, la fidélité de Dieu est partout. Et Dieu, non seulement il dit Je suis souverain sur le monde, mais vous savez, le défi des chrétiens, le souvent, pas de, on ne doute pas de l'existence de Dieu. On ne doute pas à la limite de la souveraineté de Dieu. On pense, oui, oui on pense, on a une bonne théologie, que Dieu est souverain sur le monde. Ce qu'on doute, par contre, on doute souvent de la fidélité de Dieu dans nos vies. On est très bon pour avoir une belle théologie générale, mais lorsque ça fracasse nos vies, tout à coup, on, est, on change. Et c'est pourquoi Isaïe, et Dieu dit par la bouche du prophète Isaïe, non seulement sois consolé pour aujourd'hui, je suis souverain, mais je suis fidèle. Et vous savez, Dieu fait plusieurs choses. Moi, moi j'ai la difficulté à faire deux choses en même temps. Moi, j'ai un problème de coordination. Je suis mauvais. Par exemple, quand je cuisine, je suis là et là, je suis ma recette. Là, je brasse mes affaires. Puis là, ma femme, elle me parle. Puis là, elle me dit Tu m'écoutes pas Je dis Un instant, là. Okay? Je fais une chose. Je ne peux pas faire deux choses. Je ne peux pas brasser et t'écouter en même temps. Là, ça ne marche pas, là. Moi, je suis, assez, je suis assez focus, je fais une chose, Je l'ai la tu en faire deux bien. Là, on dit, il y a des gens qui pensent que Dieu est comme ça. Tu penses que Dieu fait une chose à la fois. Est-ce que tu réalises que Dieu est en train de faire, c'est John Piper qui dit ça, que Dieu est en train de faire 10 000 choses en même temps dans ta vie, tout toi, tu es conscient de juste deux, trois choses. À l'heure où je te parle, Dieu est en train de faire 10 millions de choses. Je vais dire 10 000, OK, on va être plus... Dieu fait 10 000 choses dans ta vie. Il travaille un peu, il travaille ton cœur, il travaille un peu de pardon, il travaille la liberté, il travaille la grâce, il travaille ta patience, il te donne une connaissance. Dieu fait un million de choses dans ta vie, puis toi, tu ne réalises pas. Il est fidèle. Et souvent, toi, tu vraiment, nous, on a une requête, on a un besoin, on a une épreuve, on se concentre là-dessus, puis on dit Seigneur, ça c'est la requête, mais Dieu fait dix mille choses. Et regardez, la preuve, regardez ce texte-là. Il y a des gens qui. Tu dis, oui, mais est-ce que... Parce qu'on est tellement centré sur nous, on voit juste une chose. Euh, dis, je sais, ce matin, c'est le cas, là, on va se réveiller, c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Mais dis à la personne à côté de toi, là, à l'autre, l'autre que tu as douté tantôt quand tu as dit Dieu, là, il a besoin. Dis-lui, Dieu est à temps plein sur ton corps. Ouais. Dieu en a plein les bras avec toi. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie? Et regardez, Dieu est en train de dire au peuple. Le peuple, le peuple disait oh, délivrance, délivrance, délivrance. C'était leur requête. Juste ça qu'ils voyaient. On attend la délivrance. Puis Dieu leur fait réaliser voici. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Donc, je, te, je travaille ta foi. Ne sois pas inquiet. Je travaille ta paix. Je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Je te renforce. Je te secours. Je te soutiens. Je te donne la victoire. Et je veux juste te réconforter là que tu réalises tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, que tu n'es même pas conscient. Dieu est en train de commencer une œuvre dans ta vie, puis tu vas peut-être seulement voir dans dix ans le fruit de ce qui est en train de semer aujourd'hui. Mais Dieu agit en abondance. N'aie pas peur. Verset 14. Jacob, toi qui n'es plus qu'un verre, Israël, toi qui es une larve. Okay, là, il y a des gens qui Pastor Guetta, tu nous encourageais, mais là, ça vient de baisser d'une coche. Okay. <laughs> Je viens à ton secours, déclaration du Seigneur, moi, ton rédempteur, le Saint d'Israël. Je fais de toi un air aiguisé toute neuve, garnie de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, tu rendras les collines semblables à de la menu-paille, tu les vanneras, le vent les emportera, une tempête les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras dans le Seigneur, tu mettras ta fierté dans le sein d'Israël. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu transforme? Et, et voici l'image. OK? Isaïe est conséquent. Isaïe a parlé de l'immensité de Dieu, on l'a fait tout à l'heure. hein? Là, puis te, quand tu regardes à l'univers. Et souvent, l'être humain peut être vu comme un, un verre, comme un rien. Par exemple, si des gens, vous allez à la pêche, tu es là, puis tu échappes ton verre dans l'eau, il n'y a personne qui va plonger pour aller sauver le verre. Faire le bouche à pouche pour réanimer le verre. Euh, c'est un verre, c'est une larve, c'est insignifiant. Et malgré notre insignifiance, Dieu nous aime, nous a choisis et veut agir en nous. Et Dieu ne te voit pas comme une larve, Dieu ne te voit pas comme un verre. Regarde. Il y a une transformation qui prend place et Dieu dit Je fais de toi une herse aiguisée, neuve, garnie de pointes. Tu écraseras, tu boiras. Ça veut dire quoi Ok, on n'est plus dans un milieu agricole. Voici c'est à quoi ça ressemble une herse. Une herse à l'époque, c'est un cadre de bois avec des pointes de fer et on attache ça à un tracteur de l'antiquité qu'on appelle un cheval. Et ce qu'on fait, ça nous permet de labourer la terre. Et voici l'image. Dieu dit, tu n'es pas un verre, tu es une herse. Dieu veut apporter de la nouveauté à ta vie. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Et moi, ma prière, après vingt-quatre années de servir le Seigneur, je dis Seigneur, j'ai besoin que tu me renouvelles. Je sais que tu fais encore quelque chose de nouveau dans ma vie. Jésus n'est pas condamné à répéter le vieux stock il renouvelle encore aujourd'hui. Ce n'est pas le Dieu, la vieille bénédiction qui va recycler, il fait quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, Isaïe va dire plus loin. Et non seulement il m'apporte de la nouveauté, il dit, garni de pointe, Jésus peut apporter de nouvelles capacités à ta vie. Il peut te rendre capable. Il y a des choses réfléchies aux éléments dont tu es incapable maintenant. Et toi, tu ne peux pas, mais Lui peut te rendre capable. Non seulement il te rend capable, non seulement il apporte une capacité à ta vie, il apporte une utilité à ta vie, une efficacité à ta vie. Il veut se servir de toi. Il veut que ta vie compte, qu'elle soit utile, qu'elle soit efficace. Et il regarde, dit, et vous mettrez votre fierté dans l'éternel. Il veut qu'à la fin de ta vie, que tu sois fier de ta vie que tu as eue avec Jésus. Est-ce que ce n'est pas merveilleux d'arriver au bout, alors qu'on termine la course, de dire... Tout est par grâce et je suis fier d'avoir servi Jésus. Je suis fier de ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi qui suis un pécheur et dans sa grâce, il a fait une œuvre malgré mes limitations, malgré mes péchés, mes infirmités, mon incapacité, malgré mes mauvaises décisions. Dieu par sa grâce a fait son œuvre dans ma vie. Gloire à son nom. Alléluia, je suis fier d'être un enfant de Dieu. Et pourquoi est-ce que tu peux avoir ce discours? La herse, le succès de la herse n'est pas dans l'ARS. Elle est dans le fermier. Moi, pourquoi j'ai confiance? OK, il y a deux choses. Là. Quand je regarde l'humanité, j'ai une conviction de la dépravation totale de l'humanité, que l'humanité pécherait. Je crois que c'est non seulement théologique, c'est expérimental. Tu peux t'asseoir avec n'importe qui, je peux m'asseoir avec n'importe quel philosophe et je crois que c'est très difficile de nier le fait que notre monde ne va pas bien, que notre monde est égoïste, perdu, dépravation totale. Mais en même temps, je suis plein d'espoir envers les gens qui mettent leur foi en Jésus, pas à cause de ces gens, mais à cause de Jésus. Parce qu'encore une fois, ce qui rend le succès, c'est celui qui tient ta vie. Et on termine avec ceci. Sois consolé par les promesses de Dieu. Donc, Isaïe nous parle de plusieurs choses. Sois consolé. Prends courage, parce que Dieu est souverain, il est fidèle, il est bon, il agit, il transforme, il termine. Les pauvres et les déshérités cherchent de l'eau. Il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je leur répondrai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves le long des pistes, des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre desséchée en source. « Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, la myrte et l'olivier. Je placerai dans les plaines arides le cyprès, l'homme, le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient et qu'ils sachent, qu'ils observent et qu'ils comprennent tous ensemble que c'est la main du Seigneur qui a fait tout cela, que c'est le Saint d'Israël qui l'a créé. » Aujourd'hui, je crois qu'on peut être consolé, on peut prendre courage quand on réalise qui est notre Dieu, ce que Jésus a accompli pour nous. Aujourd'hui, c'est disponible. Et en même temps, quelquefois, on est dans le déjà et aussi dans le pas encore. Il y a des choses qu'on ne voit pas encore. Et ce qui nous garde, ce qu'on ne voit pas, c'est la promesse de Dieu. On sait que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il y a des gens ici, est-ce que ta vie est un désert? Est-ce que tu cherches de l'eau? Est-ce que tu es dans un, un temps de, de, de sécheresse spirituelle? Est-ce que tu es dans un temps où tu as besoin que Dieu se manifeste? Tu as besoin que Dieu agisse? Tu cherches de l'eau. Peut-être même que tu es ici pour une des premières fois, tu cherches de l'eau, tu as soif de Dieu. Je veux juste te dire que la réponse elle est là, c'est Jésus. Elle est là. Puis il y a une promesse. Et vous savez, dans les mariages, euh, avec mes occupations maintenant, j'en fais moins, puis il y a des pasteurs, mais dans tous mes mariages, j'ai une équipe qui travaille avec moi, mais dans tous mes mariages, une des choses que je disais toujours, puis je l'ai déjà dit ici, c'est que, vous savez, une femme un jour me dit, « Le mariage, c'est comme un mirage. » Mariage, c'est comme un mirage. C'est-à-dire, tu regardes, puis il y a l'oasis, il y a les cocotiers, il y a le chameau, y a... puis à un moment donné, tu te maries, puis tout disparaît, puis la seule chose qui reste, c'est le chameau. <laughs> que tous les chameaux disent <laughs> amen. Mais, mais la réalité, c'est que quelque... souvent de fois, il y a des saisons de nos vies où il y a un mirage et tout à coup, on a l'impression que on a des bénédictions, puis là, les bénédictions disparaissent, puis à un moment donné, bon, la vie frappe. La seule chose qui nous reste, c'est le chameau. Je ne parle pas juste de mariage, là. Je parle dans la vie, là, tu as l'impression que... Et la Bible dit « Prends courage, parce que dans ton désert, il y a peut-être un chameau, mais ce qui fait la différence, c'est que Dieu est présent dans ton désert, et lui a la capacité de ramener de l'eau, de faire un oasis, de ramener la bénédiction. » Peu importe ce que tu as perdu, Dieu a la capacité de, 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 oui, de te redonner et de faire beaucoup plus encore. Soit, simplement accroche-toi à sa promesse. C'est ce que Isaïe veut nous dire. Accroche-toi à sa promesse. Et Dieu dit, je répondrai, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Et ce matin, alors que les musiciens viennent me rejoindre, je vois nos, nos frères et nos sœurs sont préparés. On va prendre la communion. Il y a deux choses que j'aimerais dire, tu es ici. Et tu n'as jamais mis ta foi en Jésus de manière publique, intentionnelle. Je veux te défie de le faire. Non pas que le fait de le faire publiquement va te donne des, des mérites ou une vertu, C'est simplement de mettre ta foi en action. Jésus disait aux gens, Suivez-moi. Des gens, tu es ici et tu cherches de l'eau, tu as soif. Tout ce que j'ai présenté ce matin, cette bonne nouvelle, c'est accessible en Jésus instantanément, aujourd'hui, cette promesse, cette parole peut prendre vie en toi. Ces prophéties d'Ésaïe peuvent devenir une réalité dans ta vie. Simplement par ta foi en Jésus, qui, qui lui a eu cette vie que tu ne peux pas avoir, de parfaite obéissance, qui est mort à ta place. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons une dette envers Dieu. Et le seul qui était capable de payer cette dette, c'est le Fils de Dieu fait homme, Jésus. Il n'y jamais péché qui est mort, comme j'ai mentionné tout à l'heure pour tous les péchés de tous les hommes, de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est tellement vrai, parce que n'importe qui peut prétendre mourir pour les péchés de l'humanité, mais pourquoi est-ce qu'on est chrétien? Parce qu'un seul est ressuscité, Jésus-Christ. Un seul. C'est la garantie que ce qu'il a dit est vrai. C'est la garantie que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, qu'il est le Sauveur, il est le Seigneur, il est le roi des rois, le premier, la fin, que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus seul.